le point de départ, sur l'émergence du concept de droit de l'homme, il n'est pas intemporel. Et là, il faut faire un petit peu, j'appelle ça histoire des idées, montrer comment cette notion n'a pu finalement se concrétiser, n'a pu apparaître, n'a pu être pensée, n'était pensable qu'à un certain moment de l'évolution des idées et des conceptions de la société. Il fallait que l'individu apparaisse en tant que tel et qu'on puisse penser l'individu avec ce que les juristes appellent aujourd'hui des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits en tant que sujet de droit. Donc j'ai le droit de, j'ai le droit de, voici les droits qui me sont reconnus à moi en tant qu'individu. Et ce n'était pas du tout évident. À cet égard, je pense qu'il y a une opposition qui est assez intéressante à évoquer. C'est l'opposition qu'on peut faire entre les conceptions holistes de la société, holiste donc avec un H, H-O-L, donc qui vient du grec, je ne suis pas du tout grec, je ne suis pas du tout... mais bon, ça c'est, voilà, donc le tout, ça veut dire le tout, l'homme. Donc les conceptions holistes de la société et les conceptions individualistes qui sont plus caractéristiques de la modernité. Donc les sociétés holistes sont plutôt les sociétés traditionnelles, sauf que, j'aurai l'occasion de le dire, avec Vichy ou a fortiori, mais j'en parlerai pas faute de temps, avec les conceptions totalitaristes de la société, on revient à une conception holiste. Qu'est-ce que c'est qu'une conception holiste? C'est celle qui accorde la prééminence au corps social, au tout social. Et les hommes ne sont que des simples parties du tout, et ce qui compte, c'est le tout. Hein, et voilà. Donc, alors que dans les conceptions individualistes, ce qui compte, ce sont les individus qui sont premiers, et la société est là, finalement, pour le bien-être des individus. Et c'est cette conception individualiste est caractéristique de la modernité, donc, et cette opposition est intéressante parce que on voit bien déjà que l'idée que l'homme a des droits qu'il peut faire valoir contre le pouvoir ne peut naître que dans des sociétés ou à des étapes de l'évolution des sociétés et des idées. Alors, les idées peuvent devancer l'évolution sociale, qui reconnaissent l'individu comme central. Et à cet égard, dans l'Antiquité, dans la pensée dominante de l'Antiquité, Aristote, etc., on a une vision de la société qui est holiste, et même l'art politique pour Aristote, c'est assurer le fonctionnement harmonieux de la société, mais le modèle, c'est l'ordre cosmique, l'ordre naturel, et l'ordre naturel, il est évidemment hiérarchisé, il y a les animaux qui se mangent, enfin bref, voilà, c'est une société très hiérarchisée, et donc si le modèle sur lequel on veut reconstituer de façon harmonieuse la société politique, la société des humains, c'est l'ordre naturel, on voit bien comment la notion de, la conception de l'harmonie, elle repose sur une considération du tout et pas du tout des droits des individus. Donc, holiste, inégalitaire, on ne peut pas penser la catégorie des droits subjectifs, donc, droits revendicables par l'individu, et encore moins de droits opposables au pouvoir. Alors, faute de temps. De toute façon, c'est vrai que cette vision que je donne ici de la pensée de l'Antiquité pourrait être, non pas contestée, mais dire, mais attention, il y a quand même eu, alors les stoïciens, effectivement, étaient chez Cicéron, par exemple, on a un peu cette notion
d'une loi éternelle et immuable qui régit l'ensemble de l'humanité. Mais enfin, disons que la pensée dominante de l'époque est quand même polythéiste. Alors, l'apport des religions monothéistes, et ici essentiellement d'abord le judaïsme, et dont je ne parlerai pas beaucoup, parce qu'il n'a pas tellement influencé en fait le monde, mais surtout le christianisme. Alors, le monothéisme propose une conception différente de l'homme et de l'humanité, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, il y a une dignité inhérente à la personne humaine, une distinction entre l'homme et les animaux, ça se voit tout de suite au début de l'Ancien Testament, comment Dieu crée la terre et le monde, mais c'est très important parce que l'homme prend une valeur en soi, et cette valeur, cette dignité, elle appartient à tous les hommes sans distinction, quelle que soit leur origine ou leur place dans la société, puisque toute l'humanité descend d'un même ancêtre. Et c'est ce passage de Saint Paul dans l'Épître aux Galates qu'on cite toujours. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Donc, apparemment, un universalisme égalitaire. Bon, en même temps, il faut bien comprendre que c'est un peu trompeur, parce que c'est dans le rapport à Dieu. Et ça n'implique, c'est pas un principe d'organisation sociale. Dans la société, il y aura toujours des Grecs, des Juifs, des esclaves, des hommes libres. Mais simplement, tous ont la même dignité dans leur rapport à Dieu. Autre élément important du christianisme, la dualité du spirituel et du temporel. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, c'est une façon de soustraire à l'autorité de l'État le domaine de la conscience religieuse. Et ça, c'est bien entendu très différent de la conception de l'Antiquité, où on voit bien comment Antigone, à toutes les peines du monde, a fait prévaloir les droits en conscience, disons, par rapport aux lois de la cité. Mais là encore, tout ça est virtuel, car le fait qu'ensuite il y ait eu une collusion entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, et notamment sous la chrétienté médiévale, que l'Église ait eu partie liée avec toutes avec le pouvoir effectif, fait que ces virtualités ne se sont pas réalisées. Mais dans la pensée chrétienne, il y avait quand même des virtualités libératrices pour l'individu, pour l'égalité et pour une sphère qui échappe au pouvoir. Et le moment clé peut-être de ce renversement, certains ont appelé ça la révolution copernicienne de l'individu. Et j'aime bien cette métaphore. Bon, Copernic, il a dit, mais non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, pourquoi je me trompe, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et quand on parle de révolution copernicienne de l'individu, c'est ce moment peut-être où, dans l'histoire des idées, bien sûr, ça ne s'est pas réalisé tout de suite, dans l'histoire des idées, on a mis l'individu au centre, on quitte cette conception holiste de la société pour une conception individualiste. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. À la Renaissance, l'entrepreneur, alors je ne veux pas dire capitaliste, mais l'entrepreneur, l'artiste qui signe ses œuvres, la figure de l'aventurier conquérant, le philosophe, et puis la réforme protestante. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que les protestants ensuite ont respecté les droits de l'homme, c'est pas ça. Mais la réforme est importante, pourquoi ? Parce que d'abord, le protestantisme, dans sa conception, fait de l'individu un sujet autonome, qui pratique le libre examen des Écritures. Il n'y a plus cette hiérarchie de l'Église catholique qui dit la vérité, le pape qui dit la vérité. Il y a un rapport plus direct du fidèle aux Écritures,
responsable de son salut, donc face à Dieu. Et puis l'autre élément important avec la montée du protestantisme, c'est que l'homogénéité confessionnelle n'est plus réelle, puisqu'il y aura au moins deux religions. Et bien entendu, il y aura les guerres de religion, il y aura, mais l'intolérance, mais quand même, revendication de la liberté de conscience, qui est pour beaucoup le premier droit de l'homme, voire de nouveau d'ailleurs Antigone. Voilà. Donc une promotion de l'individu, et cette promotion de l'individu, à un moment donné, va se conjuguer aussi avec cette idée de droit subjectif.